Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de l'indépendance de Maurice. Comment connaissons-nous qu'il a gagné l'indépendance le 12 mars 1968? Et jusqu'à aujourd'hui, on fait témoin de pas mal de développement. Qui vous pensez, Laura, me fait réaliser un micro-trottoir à Noaguet? De quoi parlez-vous, qui te pensez, Laura, l'indépendance de l'île Maurice? Alors, le gouvernement de Newman, l'éducation gratuite, transport gratuit et ben, vieille personne gagne ben, bénéfice. Alors, moi personnellement, me trouvais que quelque part c'est une bonne affaire parce que le pays n'a assez développé dernièrement avec ça. Mais à côté de ça, me demandais est-ce qu'il a l'indépendance là, l'inservie vraiment parce qu'il nous trouvait assez là avec le taux de chômage qui peut augmenter, ben, jeune, je peux pas gagner un travail, donc j'ai besoin de travail. Fait à l'esclavagisme moderne, je travaille beaucoup les temps, j'ai vraiment fatigué et tout, donc médiévalement, c'est ça là, fait qu'on esquive, l'indépendance, dans quelque chose, vraiment. Ok, moi je pensais qu'il est intéressant, voire mieux, qu'il nous gagne l'indépendance, à cause qu'il nous tire, comment dire, en bas gouvernance de le pays. Certes, nous pouvons gagner beaucoup l'avantage qui ne pas forcément gagner, mais jamais nous allons prendre qui potentiel le pays. Et comme on vit Maurice, aujourd'hui, nous ne pas si mal tombé. Parce que quand on regarde l'aspect économique, récemment, il y a une crise financière. Si nos currencies, par exemple, restent libres, le Tchouka puisse subir de ça, comment dire, négativement. À cause, c'est pas une grosse currency qui ne peut souffrir de la crise. Mais moi, vu qu'il nous servit roupie, il n'est pas si mal, comment dire, d'un point économique et d'un point social aussi. Ok. Pour moi, je pensais, qu'il ne pas tout ça garder l'indépendance. Parce que nous, certes, nous gardons l'indépendance, mais dans certains aspects, nous gardons l'indépendance, mais nous avons un visa pour aller les autres pays, nous avons tout pour aller les autres pays. Alors, qui dit nous venir Maurice, pas rien, non. Et l'éducation aussi, si tu prends notre système, c'est bien notre système d'éducation, et tu peux plus meilleur, vous pensez, pour utiliser l'eau. Tu es capable de dire nous qui te pensais dans l'indépendance? Ben, il faut qu'il nous gagne l'indépendance parce que sinon, il y a une chose comme un esclave qui peut encore travailler dans le carocan, qui gagne peut-être, ben, qui peut encore gagner mal une ration et qui m'attifie, ils sont capables de gagner mal l'éducation. C'est pas possible trop enfermer dans le carocan. Ben, je pense qu'il a des mauvaises émotions si tu es parti bien là, parce qu'il y a quelque chose, comment dire, si je peux encore, comment dire, sur l'influence anglaise, je peux donner un visa pour aller en Angleterre, pourquoi faire un certain ban à l'apprendre tout là-bas, ben, c'est ça mon point de vue. Comment tu as trouvé dans la vidéo là, elle a dit en Grèce, sous l'emprise de ban anglais, et là, il est bien content d'une fille qui a eu l'indépendance. Alors, c'était ma réaction du ban de Dimitri. Et nous venons d'arriver à la fin de cette vidéo là, vous pouvez like, share et me retrouvez la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Mais d'ici là, un seul pays, un seul argent, un seul destin.